Bonjour Tremblant, il reste seulement 8 semaines avant l'ouverture de la saison 2019-2020. En attendant, on va vous montrer à tous les semaines des petites capsules pour vous montrer l'envers du décor sur comment on fabrique la neige, la maintenance de montagne et tout ce qui va dans préparer la montagne pour que vous puissiez y skier. À bientôt! Mon nom c'est Ricky, je travaille pour le département de produits neige. On est à la base de la Versant Soleil. Aujourd'hui, tu vas voir, on a beaucoup d'ouvrages pour préparer de 8 semaines avant notre saison de ski. On a une équipe qui travaille très fort pour le soudage de préparation de nouveaux tuyaux à neige qui va dans la piste Algonquin pour prolonger notre saison de ski. On a des équipes de fauchage qui vont faucher nos pistes pour être sûr que tout est parfait pour les conditions de ski. Puis j'ai aussi une équipe qui travaille très fort en vérification de nos tuyautages dans la montagne. Comme ça, on va être prêt pour le 22 novembre. On est rendu maintenant dans la piste Algonquin. Si on regarde sur la bordure de la piste, à côté de la cape de roche, on voit très bien la ligne à neige existante dans la piste. Avant, on a eu juste un tuyau pour la ligne à l'eau avec nos anciens canons à neige qui sont des water sticks qui fonctionnent seulement sur l'eau et puis à des températures très froides, de moins 15 et plus froides. Dans les prochaines semaines, on va monter la ligne, nouvelle ligne pour la ligne à l'eau. La ligne existante deviendra notre ligne à l'air, puis on va remplacer nos canons avec des canons très performants pour fabriquer la neige dans Algonquin.